Et salut tout le monde, c'est P1, on se retrouve aujourd'hui pour faire de la musique puisque je vais vous montrer comment composer une musique de jeu vidéo. Donc pour commencer, il vous faut déjà un clavier MIDI, qui est un clavier qu'on peut relier directement à l'ordi en USB. Il vous faut également ce qu'on appelle une carte son externe ou interne de ce type. Pourquoi ? Parce que ça permet de brancher directement des instruments dessus tels qu'une guitare, un micro, mais surtout parce que les programmes qu'on va utiliser sont très gourmands en ressources et ça permet d'éviter les lags, la latence. Donc moi, le programme que je vous conseille pour débuter, c'est Magix Music Maker. Pourquoi ? Parce que c'est un programme qui a une interface très simple et qui offre beaucoup de possibilités. Donc pour commencer, voilà comment se présente le programme. Alors on a plusieurs pistes, donc chaque piste va représenter un instrument, tout simplement. Pour générer des sons avec le clavier, on va utiliser ce qu'on appelle des instruments virtuels. Voilà, il y en a déjà pas mal qui sont fournis avec le programme, donc ça va de la batterie en passant par la guitare, bien sûr le piano classique, il y a beaucoup d'instruments électro aussi, des instruments d'orchestre, que ce soit des violons, des ensembles de violons, de la contrebasse, de la clarinette, de la flûte, enfin vous trouvez à peu près tout ce qui existe. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a à peu près 80 instruments fournis avec le logiciel de base, donc ce qui est déjà bien. Donc l'avantage de ce programme, c'est qu'il s'agit d'une base, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter tout un tas de plugins d'autres claviers virtuels. Par exemple, moi je cherchais des claviers hip-hop, donc j'ai acheté ça. Voilà, il s'agit de plusieurs claviers avec, je crois qu'il y a une centaine d'instruments dedans. Donc le programme Magix utilise le format VSTI, voilà, qui est un format universel. Donc je vais vous montrer un peu les différents instruments, on va faire un peu le tour. Donc par exemple, une batterie. Voilà, c'est pas mon instrument préféré. Une guitare, alors là on peut faire directement des accords. On a aussi des cuivres, bien sûr. Yeah. Des gros claviers électro par exemple. Ou encore des ensembles de violons pour faire de la musique épique. C'est beau. Voilà, il existe tout un tas d'instruments. Alors le plus dur au début quand vous commencez à composer, c'est de trouver le bon instrument pour faire ce que vous voulez, parce qu'il y en a tellement qu'on s'y perd vraiment très vite. Donc c'est quelque chose qui vient après, c'est un automatisme. Alors l'avantage du clavier MIDI, c'est qu'on peut composer sans forcément être doué en solfège, ni même en piano. Alors pourquoi ? Je vais vous montrer ça. On va par exemple enregistrer un truc n'importe quoi. Voilà, j'ai pris un piano de base. Voilà, un petit extrait tout bête. Comme vous voyez, on peut redéfinir chaque note manuellement, changer la tonalité en entier, la raccourcir, l'augmenter. Alors quand on joue pas très bien, l'avantage c'est qu'on peut recalquer les notes, les équilibrer et tout ça, puisque je rappelle qu'on compose d'abord avec ça, en premier. Non, sans déconner, je dirais que c'est presque un instrument à part entière. Il y a des mecs qui arrivent à composer seulement avec la souris. C'est vraiment top pour augmenter la créativité, parce qu'on peut être créatif et pas forcément avoir fait de musique à la base. Faut savoir que ce type de logiciel est utilisé dans 99% de l'industrie musicale. Toutes les musiques que vous entendez à la radio, ou que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films, sont composées souvent par une seule personne qui va ensuite vendre sa musique à des artistes sur des sites spécialisés. Donc l'avantage, c'est qu'on peut utiliser trois types d'enregistrements, c'est-à-dire donc le clavier MIDI où on choisit son clavier, son instrument virtuel, des enregistrements live qu'on peut enregistrer en branchant directement sur la carte son quand on joue d'un. Et aussi, on peut utiliser des samples qui sont des extraits de musique. Alors, il y a des mecs qui en ont fait carrément leur métier, c'est-à-dire qu'ils créent des samples, ils les vendent sur des sites spécialisés à d'autres compositeurs qui les utilisent dans leur musique. Il faut savoir que dans le logiciel de base, il y a pas mal de samples, ce qui permet de faire pas mal de trucs. Par contre, si vous voulez l'utiliser un jour commercialement, il faudra acheter une licence, voilà, comme la plupart des samples. Allez, c'est parti, on va composer une musique, je vais vous montrer comment ça marche. On va commencer direct par mettre la batterie. Alors, moi, j'ai horreur de faire la batterie au clavier, voilà, je vous le dis. J'utilise directement des samples pour la batterie, je m'embête pas, et après, je la recoupe, je rajoute des cymbales, des tops, je compose au fur et à mesure, on verra ce que ça va donner. Alors ce que je fais habituellement, c'est que je choisis une batterie de base. Donc on va prendre une batterie un peu pop. Alors. Voilà, oh j'aime beaucoup celle-là. Yeah, elle envoie du lourd. Donc on va la mettre là, tac. On va l'allonger, voilà. Donc là on a juste la batterie de base qui fait toujours la même chose. Alors moi ce que j'aime faire, c'est toujours la coupler avec une deuxième batterie, parce que ça donne plus de... J'aime bien les trucs, tu vois. Voilà, par exemple celle-là est pas mal. Voilà, tout léger, tranquille et tout. Tac, on la met dessus et voilà ce que ça donne comme batterie. Sur un truc méchamment hip-hop là quand même. Allez, maintenant on va attaquer le clavier. Alors je sais pas du tout ce que je vais mettre. Je partirais bien en fait sur... ça sonne hip-hop mais sur une musique d'horreur, je sais pas pourquoi. Alors moi j'aime bien commencer par des violons. Donc là, bah voilà, je cherche la musique hein, tout simplement. Donc on va mettre juste la base en fait, ce qu'il y a au fond. J'ai trouvé un truc qui est pas mal. Alors maintenant qu'on a ça, hop, on va réduire au bon endroit, tac. Voilà, alors moi je rééquilibre toujours, hein, parce que je suis pas un as du rythme. Donc voilà, on a notre musique avec les batteries et les violons.
Voilà, un truc basique. Maintenant, on va essayer de trouver des bons claviers dessus. J'aimerais bien faire un truc d'horreur, donc j'aimerais bien trouver le bon clavier qui va pour faire des trucs d'horreur. Yeah. Ça sonne pas du tout horreur, par contre. Ça sonne un peu space, le vibrator. Ah, c'est pas mal, ça. On va voir ce que ça fait. Ça, ça sonne un peu alien. Oh, le thriller, le clavier thriller. Oh, putain, ça c'est bon. C'est un clavier qui est super. Mais il est pas du tout adapté aux accords que j'ai fait avant, donc... Bon, fini de jouer, et on va mettre de l'organe. Allez, on va appeler le dieu de la musique. Non, l'organe ça sonne bien je pense dans un truc comme ça. Donc c'est super, on va pouvoir faire un truc. Alors j'aime bien ce côté là, il y a un truc qui m'intéresse. Ça c'est déjà inventé. Je l'ai pas fait en entier, c'est pas grave, parce qu'avec l'avantage de l'ordinateur, c'est qu'on peut recouper et choisir juste sa bonne partie. Yeah. Voilà, déjà ça sonne un peu plus horreur. Allez, on copie la partie, on la duplique. Je verrais bien en fait un violon en solo, voilà. Parce que si on met un peu un instrument électro, je pense que ça va faire trop d'instruments et ça sera un peu trop le bordel. On va tester avec un violon. Voilà, là c'est équilibré, je pense qu'on a un truc qui est pas trop mal. On va arrêter de rajouter des instruments parce qu'après ça va faire vraiment trop surcharger. Par contre, je trouve que ça sonne pas très horreur. Pour le rendre horreur, j'ai une petite idée, on va faire un truc. On va se marrer. Tour romane, une chanson en latin contre l'impérialisme romain. Voilà. Vos raptores orbis romani. D'accord. Roumanie. Alors maintenant on va faire un truc cool, on va utiliser le time stretching pour modifier un peu la voix. On va l'essayer en solo pour voir. Bus. Yeah. Toles. Orbis. Romani. Bus. Toles. Orbis. Romani. Tac, on va le copier. Allez, on va le faire deux fois et on va faire un autre truc en troisième. C'est quoi la prochaine phrase? Des Beliare super boss. Voilà, ça c'est cool. Super boss. Voilà, on a fait la suite. Super boss. Oh là là, c'est chelou comme musique quand même. Alors le truc qui est cool, on peut se faire plaisir en rajoutant une voix féminine. Ah, c'est pas mal ça pour le refrain. Alors, on va faire un truc un peu fou pour finir. On va rajouter un mec qui rappe au milieu. Voilà, une musique de l'autre monde. Une musique qui n'existera jamais dans un jeu vidéo, je pense. D'ailleurs, je vois pas dans lequel elle pourrait aller. Alors maintenant qu'on a notre partie de son qui est finie, parce que faire une musique entière, ça prend des heures, donc j'ai fait que cet extrait, j'espère que vous m'en voudrez pas. Maintenant, il faut équilibrer les sons. Pour ça, on va sur la table de mixage, et je vais équilibrer tout ça. C'est à peu près équilibré. Donc on passe à la dernière partie. En fait, l'avantage de ce programme, c'est qu'il propose du mastering. Voilà, le mastering, c'est carrément un métier à part entière. C'est ce qui va prendre tous les sons et en faire qu'un seul. En fait, ça va être assez lisse. Et l'avantage ici, c'est que ça a des pré-réglages d'auto-mastering pour justement pouvoir te sortir un bon son quand même. Donc voilà, on a fini. Je vais vous mettre la musique à la fin de la vidéo. On se retrouve dès vendredi prochain. Portez-vous bien les mecs, jouez beaucoup, faites de la musique et à bientôt. Ciao. We'll be right back.
and I got a profile, so I stay on smash. Hit me up when you find another party to crash. But until then, I'm married to my pen. This is how it's going down, this is how I get it. And I got a profile, so I stay on smash. Hit me up when you find another party to crash. But until then, I'm married to my pen. This is how it's going down, this is how I get it. We'll be right back.